sont très proches les uns des autres. Il y a des feuilles mortes au sol. C'est très calme, il n'y a pas de vent. On est sur une nuit assez claire. Et donc c'est très difficile de se déplacer sans faire de bruit. Et là, elle était assez tranquille jusque dans les 30 derniers mètres. Et quand elle commence à bouger, elle a un petit peu à hésiter. C'est rare qu'elle tienne jusqu'au dernier moment. Et donc le temps est très calme, sans vent. C'est pas trop à notre faveur. Et souvent, si ce sont des oiseaux qui sont là depuis le début de saison, c'est des oiseaux aguerris qui sont assez méfiants. Et là, on vient de voir, ça c'est la deuxième observation. Et la première bécasse était même encore plus sur le qui-vive. Elle a changé de place plusieurs fois. Et donc je pense qu'on est sur une soirée où, même si on voit quelques oiseaux, on aura beaucoup de mal à concrétiser et à capturer. J'ai Y 66-302. Apparemment, elle est très légèrement usée. Je pense que c'est une jeune quand même. Oui, c'est une jeune. En fait, elles sont. On voit que tu vois, elles sont. C'est pas très usées. Ouais, on voit, elles sont légèrement. Très peu, mais c'est une jeune. Apparemment, c'est une jeune précoce. Chut. Les rémiges primaires sont légèrement usées sur celle-là. Parfois, on a des oiseaux qui ont beaucoup volé et qui ont des rémiges très nettement usées. Là, on le voit, mais c'est assez léger. Parfois, c'est vraiment très marqué. Donc, on l'a pesé, on a pris l'âge, on va la baguer. À cause du vent, certainement, elle est restée plaquée au sol et ça nous a permis d'approcher. Après, la difficulté avec ce vent, c'est manipuler l'épuisette, la canne à pêche. Et au début, elle se déplaçait pas mal dans les rangées de vignes, donc on s'est demandé si elle n'allait pas nous échapper. Et le fait qu'elle se soit plaquée au sol comme ça, ça a facilité la capture. Certainement que le vent l'a un petit peu a certainement dérangé. GY 66-301. Ça va être bien. GY 66-301. C'est pas mal, hein. Ce qui est important, c'est faire attention que la bague soit bien fermée. Et en même temps, parfois, ça peut arriver que les côtés un petit peu se superposent. Donc quand c'est le cas, c'est très rare, mais il faut la re-enlever pour la reposer. Donc là, la bague est bien arrondie, on ne peut pas avoir un espace plus serré que ça. Donc voilà, donc là c'est correct, quoi. C'est correct. Donc c'est des bagues très légères en matière à luminiser. Ça ne sent que voilà. Soit c'est un oiseau qui est là donc depuis le mois de novembre, soit c'est un oiseau qui est en période de migration, qui s'était arrêté pour se reposer et se nourrir. Quoi. Donc on a le poids, on l'a bagué, on a l'âge. Il n'y a plus qu'à lui rendre la liberté. Allez, va doucement.